Bonjour tout le monde. Donc, comme vient de le dire Stéphanie, je vais vous présenter donc, le projet de SDAJ 2022-2027. Mais avant d'aborder les principales évolutions, il me semblait important de vous rappeler un petit peu le contexte général de l'élaboration du SDAJ et de son programme de mesures. Donc, dans la politique de l'eau, c'est la directive cadre sur l'eau qui, en 2000, va harmoniser la politique de l'eau au niveau européen et qui va fixer un objectif à atteindre pour l'ensemble des États membres, à savoir atteindre le bon état des masses d'eau et ne pas les dégrader à l'horizon 2027. En France, cette directive cadre sur l'eau se décline donc au travers donc du SDAJ, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est le plan de gestion de l'eau, et de son programme de mesures qui, lui, va vraiment prioriser les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont définis dans le SDAJ. Donc, ce SDAJ et ce programme de mesure se réalisent à l'échelle des grands bassins hydrographiques, tels que le bassin en Bretagne. Et après, quand on descend au niveau de sous-bassins, ce SDAJ va se décliner notamment au travers des SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, donc à une échelle du bassin hydrographique également, et avec une déclinaison après derrière au niveau des plans d'action type contrats territoriaux. Donc, ce SDAJ, c'est vraiment un plan de gestion de l'eau qui va fixer des objectifs et un cadre pour permettre de répondre aux objectifs qui nous sont fixés par la directive cadre sur l'eau, donc qui fixe des objectifs donc avec des ambitions à chacune des masses d'eau et des objectifs à l'échelle de chaque masse d'eau, et qui fixe un cadre. Donc là, nous sommes dans le quatrième cycle du SDAJ, donc c'est un cadre qui est dans la continuité des cycles précédents, et qui va fixer un cadre avec une portée juridique, avec des orientations, des dispositions et des actions à mettre en œuvre. En termes de processus d'élaboration, bien entendu, on n'arrive pas directement à l'élaboration en tant que telle du plan de gestion. Il y a différentes phases. La première, donc, c'est déjà de savoir d'où l'on part, quel est l'état des lieux de la situation de mon bassin, quels sont l'état des masses d'eau, quelles sont les pressions qui s'exercent sur ces masses d'eau. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir une image de notre territoire. Par la suite, on va définir les enjeux, la stratégie que l'on doit avoir sur ce territoire, ce sur quoi on doit travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle les questions importantes. Questions importantes pour lesquelles nous vous avions consulté il y a quelque temps. Vient ensuite la déclinaison en tant que telle de ce plan de gestion. Donc, on va vraiment décrire les objectifs que l'on se donne, où est-ce que l'on va, quel cadre l'on se fixe, quelles sont les règles du jeu que l'on va fixer pour les 6 années à venir. Je vous le disais tout à l'heure, donc ce SDAJ est un plan de gestion, il est accompagné de son programme de mesures qui va vraiment préciser les priorités que l'on va définir pour mettre en œuvre ce plan de gestion. Voilà, concrètement, qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont définis dans le SDAJ? Et enfin, pour vérifier que tout cela fonctionne correctement, il y a le programme de surveillance pour vérifier que tout ce que l'on a mis en place fonctionne correctement. Et donc, en France, donc le SDAJ est programmé sur un cycle de 6 ans. Donc, tous les 6 ans, on va rentrer dans une révision de ce SDAJ pour refaire la situation du bassin, revérifier, réajuster éventuellement les ambitions, les objectifs, etc., pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la directive en cadre sur l'eau. Concrètement, la construction du projet de SDAJ 2022-2027 et de son programme de mesures a débuté en 2018. Donc, le comité de bassin nous avait transmis un mandat de travail, une feuille de route. Donc, nous avons le comité de bassin a validé l'état des lieux en 2019. Je vous le disais tout à l'heure, nous étions venus devant vous pour vous consulter sur la stratégie, donc que sont les questions importantes. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous consulter sur ce projet de SDAJ. Donc, je vous le disais, donc en 2018, les travaux ont commencé, les réflexions ont commencé pour la révision du projet de SDAJ. Donc, le comité de bassin nous a donné un mandat, une feuille de route pour pouvoir réaliser cette révision. Donc, il y a eu 4 grands principes qui ont été définis. Donc, le premier, c'était vraiment d'apporter une égale attention entre le SDAJ et le programme de mesure.
Le deuxième grand principe, c'était de viser une mise à jour simple d'usage. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans le quatrième cycle de révision. Donc, on a la chance et cette opportunité, cette force d'avoir déjà un stage et des expériences et des actions qui se mettent en œuvre. Donc, l'objectif, c'était vraiment être dans la mise à jour en prenant en compte les évolutions de contexte. Le troisième grand principe est de prendre en compte le plan d'adaptation au changement climatique pour le Boissalin en Bretagne et enfin de prendre en compte l'étude socio-économique qui avait été réalisée sur le territoire. Je vous le disais, le projet de SDAGE, donc le SDAGE fixe un cadre et fixe des ambitions. Le comité de bassin a souhaité, pour le bassin Loire-Bretagne, afficher une ambition d'atteinte du bon état des masses d'eau pour qu'il y ait 61 des masses d'eau cours d'eau qui atteignent le bon état d'ici 2027. Aujourd'hui, nous sommes à 24% du bon état pour 2027. Nous sommes dans la continuité de ce qu'il y avait pour le SDAGE 2016-2021. Le comité de bassin a souhaité poursuivre cette ambition et avoir 61% du bon état pour 2027. Parallèlement à ce que nous a demandé le comité de bassin, le ministère nous a également transmis quatre orientations pour le cycle 2022-2027. La première grande orientation que le ministère souhaite pour les bassins, c'est qu'à échéance 2027, qu'il n'y ait plus aucune masse d'eau qui soit déclassée pour les pollutions dites classiques qui proviennent des stations d'épuration, des stations de traitement des eaux usées, pardon. La deuxième orientation souhaitée par le ministère, c'est qu'il souhaite que une restauration prioritaire de la qualité des eaux brutes, qui est nécessaire pour l'alimentation en eau potable et qui est dégradée par les pressions agricoles. La troisième orientation, c'est de rendre franchissables les ouvrages prioritaires qui sont identifiés dans le plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique, également à échéance 2027. Et enfin, la quatrième orientation, c'est au travers de la mise en œuvre des projets de territoire de la gestion de l'eau, de retrouver l'équilibre quantitatif dans les secteurs à forte tension. Donc, partant de ce constat, le comité de bassin souhaite afficher une progression, rapide de l'état écologique. Donc pour ce faire, il va s'appuyer sur son programme de mesures, proposant aux acteurs de focaliser leur attention sur les masses d'eau qui sont proches du bon état et de ce fait afficher un objectif de progression rapide à une courte échéance. Et donc l'objectif est d'environ de gagner 10 points de masses d'eau qui sont en bon état. On n'oublie pas non plus les masses d'eau qui sont en état mauvais et en état médiocre. Et donc l'objectif, c'est vraiment de les faire progresser vers le bon état. Et donc le programme de mesure, vous allez me dire, OK, mais alors, concrètement, comment on agit et qu'est-ce que ça va représenter? Donc le programme de mesure, Stéphanie vous l'a présenté tout à l'heure, le bassin Loire-Bretagne est divisé, si je puis dire, en différentes commissions territoriales. Et donc, ce programme de mesures est vraiment décliné par commission territoriale. Il y a une liste de mesures, d'actions, qui sont définies à l'échelle de chaque masse d'eau. Et concrètement, ces mesures qui sont identifiées à l'échelle de la commission territoriale vont être déclinées plus précisément avec une liste d'actions, avec une échéance, avec un maître d'ouvrage et un coût, au travers des plans d'action opérationnels territorialisés à l'échelle départementale. Concrètement, le programme de mesure va vraiment identifier les masses d'eau qui sont identifiées en risque de non-atteinte des objectifs environnementaux d'usage dans l'état des lieux et sur les zones protégées. Et l'objectif, c'est vraiment d'agir sur les pressions qui sont à l'origine du déclassement de la masse d'eau ou de la non-atteinte des objectifs des zones protégées. Pour le cycle 2022-2027, le programme de mesure est estimé à 3,6 milliards d'euros, ce qui représente plus de 10 000 mesures et environ 45 euros par habitant et par bassin. Pour vous donner une répartition des différents domaines sur lesquels le programme de mesure peut agir, donc ce qui peut ressortir, c'est surtout la thématique des milieux aquatiques, puis ressort enfin donc la thématique de l'agriculture et l'assainissement.
Et donc concrètement, maintenant, je vais vraiment vous présenter donc les évolutions de ce projet d'usage et de ce programme de mesure. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous le disais, nous sommes venus devant vous il y a quelque temps pour vous présenter la stratégie, les questions importantes. Et quand on vous avait présenté ces questions importantes, nous vous les avions présentées au travers de différentes thématiques. Donc la thématique qualité, quantité, milieu aquatique et gouvernance. Il était donc tout naturel que nous reprenions ces thématiques pour qu'on reste aussi dans la continuité des présentations que nous pouvons vous faire. L'USDAGE 2022-2027, on est vraiment dans la continuité du USDAGE 2016-2021. Donc, il y a 14 chapitres qui sont intitulés qui sont voilà, sur ce projet d'USDAGE. Et donc, il n'y a aucune hiérarchie entre ces différentes thématiques. Et je vous propose de commencer par la thématique sur la qualité des eaux. La qualité des eaux regroupe 5 chapitres, donc en lien avec la réduction, donc la pollution des nitrates, pollution organique et bactériologique, la pollution par les pesticides, les pollutions du micropolluant et enfin la protection de la santé au travers de la préservation de la ressource. Pour chacune de ces thématiques, à chaque fois, je vais vous présenter les enjeux auxquels répond le SDAGE et les principales évolutions. Sur cette thématique de la qualité des eaux, les principaux enjeux, donc il y a 3 enjeux. Le premier enjeu concerne les pollutions diffuses. Donc le projet de SDAGE vise vraiment à encourager la maîtrise de la réduction de l'usage des pesticides et des fertilisants en vue d'en diminuer leur impact. Donc on passe par un panel d'actions concernant les changements de pratiques, les activités collectives à différentes échelles ou encore la gestion des espaces et des milieux. Concernant l'enjeu sur les pollutions ponctuelles, donc là on vise vraiment sur les agglomérations et les industries, et donc là sont visés tout ce qui concerne les traitements des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les pollutions accidentelles, l'amélioration des connaissances concernant les substances dangereuses et émergentes, et bien sûr la prévention de la contamination microbiologique sur les zones protégées. Et enfin, concernant la préservation de la santé, donc là, on est vraiment sur réserver des nappes d'alimentation en eau potable pour le futur. Voilà. Concernant les principales évolutions, donc là, on est vraiment dans la continuité concernant les pollutions par les nitrates. Donc, le SDAGE va confirmer les objectifs de réduction des flux de nitrates pour lutter contre les pollutions marines, lutter contre l'eutrophisation marine, excusez-moi. Et on est vraiment également dans le renforcement en fait des plans d'action, des programmes d'action régionaux où on précise qu'ils contribuent vraiment à la mise en œuvre du principe de non-dégradation environnementale. Concernant les pollutions organiques, donc là, trois petites évolutions, si je puis dire. Donc le premier, on est vraiment dans la prise en compte du changement climatique concernant les implantations des stations d'épuration et sur le fait de renforcer l'exigence de leur traitement. La deuxième évolution concerne les systèmes d'assainissement unitaire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de renforcer les objectifs de limitation des déversements par temps de pluie. Et donc là, il y a un lien qui est fait avec la partie littorale, puisque ce renforcement se fait notamment sur les sites de baignade, les zones conchylicoles et les masses d'eau qui sont en risque. Et enfin, le SDAGE souligne bien sûr l'importance d'une gestion des eaux pluviales qui sont intégrées dans l'urbanisme. Concernant les pesticides, donc là on est sur de la prise en compte de l'évolution législative, donc dans les zones de non-traitement définies par le législateur. Et le SDAGE souligne également l'importance de formation des professionnels à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Concernant les pollutions dues aux micropolluants, donc là il y a 4 nouvelles dispositions qui ont été créées. Donc la première vise l'acquisition des connaissances sur les stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants. La deuxième vise vraiment demande vraiment aux industriels, aux collectivités territoriales de mesurer et de suivre l'impact de leurs rejets sur les milieux. Et enfin, il y a 2 dispositions qui visent vraiment les acteurs et comment dire, à intégrer un volet de réduction des rejets dans leur politique territoriale. Et enfin, sur la partie protection de la santé, donc là,
il y a vraiment le projet d'usage qui insiste sur l'importance des plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux. Donc là, on est vraiment sur une gestion cohérente des ressources qui sont destinées à l'alimentation en eau potable. Il y a l'actualisation de la liste des captages sanitaires. Et enfin, le projet de stage identifie de nouvelles nappes souterraines qui sont réservées à l'alimentation en eau potable en région Bretagne et introduit une nouvelle disposition sur l'usage de la géothermie dans ces nappes qui ont une minime importance. Concernant la thématique quantité, donc là c'est sur le chapitre 16, sur 7, pardon, sur le prélèvement, la maîtrise des prélèvements. Donc, les enjeux auxquels répond ce SDAJ, donc on est vraiment sur la prise en compte du changement climatique pour essayer de l'anticiper au mieux et d'approfondir les connaissances de ce changement climatique. Le projet de SDAJ vise également la satisfaction de tous les usages, donc avec un retour à l'équilibre, en passant par tout un panel de dispositions sur aussi bien les programmes d'économie d'eau, les possibilités de mobiliser la ressource hivernale et bien sûr le retour à l'équilibre quand on est en zone déficitaire. Et bien entendu, le SDAJ vise également la réduction des risques liés aux inondations. Concernant les principales évolutions, donc sur les thématiques de la gestion quantitative, comme je vous le disais, il y a vraiment un renforcement de la prise en compte du changement climatique. Le SDAJ actuel prenait déjà en compte le changement climatique, mais là, on accentue cette prise en compte. On renforce également l'importance d'économiser l'eau dans les réseaux d'eau potable. Et c'est bien sûr une actualisation des nappes, des dispositions qui sont territorialisées, donc notamment pour la nappe de Beauce, le marais Poitevin ou encore la nappe du Cénomania. Concernant les étiages, le projet de SDAJ vise vraiment à gagner en réactivité puisque dorénavant, il est proposé que les études dites HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, soient prises en compte dès qu'elles sont validées par les clés et qu'il n'y ait plus besoin d'attendre leur intégration lors de la révision des sages. Et le SDAJ renforce également, plafonne également les prélèvements à l'étiage sur l'ensemble des axes qui sont réalimentés par soutien d'étage et elle définit 15 nouvelles zones nodales. Concernant le stockage hivernal, le projet de SDAJ donc, actualise les critères pour constituer les réserves de substitution. Donc là, dans le cadre où le territoire se situe dans un projet de territoire dans la gestion de l'eau. Il prévoit également une optimisation des différents usages de l'eau, donc avec tout un panel d'actions sur l'économie d'eau, les maîtrises des consommations, diagnostic, l'amélioration de l'efficience, la modernisation des réseaux. Et enfin, il réduit de 5 à 10 ans la période de référence pour définir les volumes de substitution. Concernant la thématique des milieux aquatiques, 4 chapitres sont concernés, donc aussi bien concernant l'aménagement des cours d'eau, la préservation des zones humides, de la biodiversité et également les têtes de bassins versants. Les enjeux auxquels répondent le SDAJ, c'est bien entendu d'empêcher toute nouvelle dégradation et de restaurer le bon fonctionnement des milieux qui sont dégradés. Pour les zones humides, c'est vraiment sont considérés comme des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer. C'est également une meilleure prise en compte de la préservation de la biodiversité, qui passe bien entendu par la protection des milieux et des espèces remarquables sur notre bassin. Et enfin, c'est la poursuite de l'amélioration de la connaissance, de la communication et la prise de conscience du fonctionnement et des services rendus par les milieux aquatiques. Les principales évolutions sur cette thématique, donc pour tout ce qui concerne l'aménagement des cours d'eau, donc là on est vraiment sur le chapitre 1, le rôle des zones humides est vraiment souligné en cas de crue et le projet de SDAJ insiste sur l'impact des plans d'eau et assouplit les conditions de leur création pour les piscicultures lorsqu'ils relèvent de la réglementation ICPE. Et enfin, le SDAJ actualise les conditions d'extraction de granulats alluvionnaires en Limageur. Plus généralement, le projet de SDAJ, donc là je le disais, le rôle des zones humides est important et il confirme le rôle des zones humides continentales et rétro-littorales. Le lien entre le SDAJ et la partie littorale
est également souligné. Donc, le DSF, hein, c'est le document stratégique de façade qui est issu de la directive cadre pour le milieu marin. Et donc là, l'objectif, c'est d'articuler donc ce SDAGE et ce document stratégique de façade pour limiter les pressions sur les espèces de poissons vulnérables ou en danger, ou pour contrôler les espèces non indigènes présentant un caractère envahissant. Sur le bassin Loire-Bretagne, les sages et les clés ont une importance particulière. Et donc là, le SDAGE souligne le rôle des sages dans une approche territoriale qui est pertinente pour les têtes de bassin versant, pour pouvoir donc les identifier, les hiérarchiser et déterminer les actions à mettre en œuvre sur ces milieux remarquables. Le projet de SDAGE priorise la poursuite de la réalisation d'inventaires, bien entendu, pour une meilleure prise en compte dans les documents d'urbanisme et donc une meilleure préservation. Et enfin, le SDAGE appelle à une vigilance accrue sur les zones humides, au niveau des têtes de bassin versant, des secteurs côtiers et en particulier lorsqu'il y a l'instruction des projets sur ces secteurs. Concernant la gouvernance, trois chapitres sont concernés. Donc, on est vraiment sur faciliter la gouvernance, renforcer la cohérence entre les politiques publiques. Concernant le chapitre 13 sur les outils réglementaires et financiers, il n'y a pas eu de proposition de modification sur ce chapitre. Les enjeux auxquels répondent le SDAGE, donc là, c'est vraiment essayer de renforcer l'articulation entre les SAGE, qui sont un document de planification, et les contrats territoriaux, donc qui sont vraiment dans l'action en tant que telle. Faire en sorte qu'il y ait vraiment des maîtrises d'ouvrage pour conduire les programmes d'action territoriaux, hiérarchiser les actions dans un contexte de restriction budgétaire, améliorer bien sûr les politiques des sectorielles et l'aménagement du territoire. Et bien entendu, on est vraiment dans un partage de connaissances, d'implication plus large des habitants, d'information, de sensibilisation. Concernant les principales évolutions, donc on se situe surtout sur le chapitre 12. Donc la première concerne l'identification d'un nouveau territoire dit nécessaire, donc SAGE nécessaire, c'est vraiment que seul l'outil SAGE permet d'atteindre les objectifs du SDAGE. Donc c'est vraiment le territoire Rochelet et Île de Ré qui se situe ici. Et juste pour votre information, hein, donc le territoire Vienne-Aval sera dorénavant couvert par un territoire de SAGE qui est le SAGE Vienne-Tourangelle. La deuxième évolution, donc c'est la création d'une nouvelle disposition qui renforce l'autorité des clés et qui rappelle la compatibilité des documents d'urbanisme avec le SAGE, avec les SDAGE, et faire en sorte que les clés soient vraiment associées à l'élaboration de ces documents et que leur avis soit vraiment pris en compte. Et enfin, la troisième évolution concerne la maîtrise d'ouvrage, où il y a une actualisation d'une disposition en faisant référence à la SOCL. Concernant le littoral, j'en ai parlé assez rapidement dans la thématique qualité. Donc là, les principales évolutions que l'on a, donc concernant l'eutrophisation, on est vraiment dans la confirmation et le renforcement des objectifs de réduction de concentration en nitrate, donc aussi bien pour les masses d'eau qui sont déclassées pour les marées vertes sur plage, comme sur vasière. Et enfin, sur les zones conchylicoles et de pêche à pied, donc là, on confirme vraiment l'importance d'établir des profils de vulnérabilité. Je vous le disais, les sages et les clés ont vraiment une importance sur le bassin. Donc là, c'est vraiment en lien étroit avec les clés et avec les sages lorsqu'elles existent. On est sur de l'actualisation de la carte de bassin versant. Donc là, c'est sur les zones conchylicoles qui ont une qualité médiocre proche des classements C ou qui ont fait l'objet d'une interdiction temporaire de production ou de commercialisation pour cause de contamination virale. Et enfin, il y a l'intégration des territoires conchylicoles dans la disposition 3C2. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans la thématique qualité. C'est tout ce qui concerne sur les déversements des temps de pluie dans les systèmes d'assainissement unitaire. C'était un de nos axes de travail du comité de bassin. Donc, il y a environ 47% des dispositions des modifications qui concernent vraiment le changement climatique. Donc, on est vraiment dans le respect vraiment de ce que nous a confié le comité de bassin comme axe de travail. Et enfin, si je puis dire, donc aujourd'hui, c'est vraiment
un projet, et ce n'est qu'un projet, c'est un point de départ, ce n'est pas encore une fin. Et avant d'arriver au document finalisé, on va rentrer dans une phase de consultation. Donc, Claire vous en dira plus hein, tout à l'heure. Donc, elle va débuter au 1er mars. Et donc, l'objectif, hein, c'est que cette phase de consultation, on est vraiment dans un projet. Et c'est de vérifier que l'équilibre qui a été trouvé au sein du comité de bassin correspond bien à l'équilibre du bassin Loire-Bretagne et que vous puissiez nous donner votre avis sur ce projet commun de plan de gestion de l'eau pour les 6 prochaines années. Et il faut savoir que l'ensemble des contributions, donc le comité de bassin y est vraiment très attaché, l'ensemble des contributions seront analysées et elles pourront amener à des propositions de modifications que le comité de bassin examinera. J'en ai fini.